Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Et aujourd'hui, je vous présente la dernière Passat GTE en version SW, donc la grande version break. Comme d'habitude, eh bien, je vais vous la présenter sous toutes ses coutures. On va faire un essai, on va faire un petit peu de route nationale, ville, autoroute, et on va tester ce mode électrique. Donc la GTE, c'est la version électrique. Je vous en parle tout de suite. On commence par l'extérieur. On va commencer par la taille. C'est une voiture qui fait 4,77 m sur 1,83 m de long pour 1,52 m de haut. Au niveau du poids de cette version GTE, on sera sur 1760 kg. Donc la GTE, qu'est-ce que c'est? C'est une version hybride rechargeable. On a donc une trappe à essence de ce côté-là et on a de ce côté-là, ici, une petite trappe pour brancher une prise. Donc on pourra recharger sa voiture à la maison ou sur une borne. À la maison, ça mettra environ 6h15 pour la recharger à 100% et sur une borne, on sera sur environ 4h. On a une autonomie qui est annoncée de 55 km aux normes WLTP pour la version totalement électrique quand on roule en mode e-mode. Et on pourra faire avec le plein et bien beaucoup de kilomètres puisque c'est une voiture qui consomme très peu. Donc au compteur, ça m'affichait plus de 700 km quand j'ai pris la voiture. Certains arrivent à faire jusqu'à 1000 km avec la version hybride. Quand on sera en hybride, on a franchement une consommation très réduite. Et si on recharge la voiture fréquemment, eh bien on peut vraiment passer à 0 litre au 100. Ça, c'est vraiment aussi intéressant. Ou sinon, on sera à des consommations en dessous des 5 litres facilement avec la version hybride. Moi, j'ai constaté tout à l'heure, en ayant fait un petit peu de mix, un petit peu d'hybride, en rechargeant un petit peu la batterie, à 3,5 litres au 100 km. C'était vraiment en y allant très tranquille. Sinon, si on recharge vraiment la batterie, on a ce que j'ai constaté. En tout cas, sur l'essai d'aujourd'hui, il faisait une température entre 15 et 17 degrés avec du soleil. Donc, ça réchauffait l'habitacle. Pas besoin de chauffage ou pas besoin de climatisation. Ça, c'est ce qui consomme vraiment le plus sur ces voitures. C'est le chauffage souvent. Donc, on a les sièges chauffants et volants chauffants. J'ai fait 50 km en ayant fait un mix de ville, d'extra urbain, de route à 70-90. Je trouve ça vraiment très correct. Et c'est rare que ça tienne autant ses promesses que ça, puisque c'est annoncé 55 km WLTP, un petit peu plus annoncé par Volkswagen dans des conditions tout à fait optimales, mais j'ai trouvé ça franchement agréable. Au niveau du moteur, on a un 1,4 litre couplé aujourd'hui avec la boîte DSG 6 qui fait 156 chevaux et avec le moteur électrique qui lui fait 115 chevaux. Au total, ça nous donne une puissance combinée de 218 chevaux, ce qui est largement suffisant, et on a tout ça aux roues avant. Faudra faire attention parce qu'on a beaucoup de couple, on a 400 Nm de couple avec les deux moteurs combinés, ça peut patiner un petit peu. Et cette voiture, donc avec cette puissance, elle est donnée pour une vitesse maximale de 225 km/h. Il y aura donc plusieurs versions disponibles. On aura le choix entre la Passat normale ou la Passat SW comme on a aujourd'hui. La version SW, donc c'est cette version break avec un coffre énorme que je vous montre juste après. Et ensuite, on aura le choix soit d'avoir des versions hybride, donc en GTE, Passat GTE ou Passat normal, Passat SW ou Passat SW GTE. Ensuite, on aura le choix entre des moteurs essence, diesel ou cette version hybride. La Passat de base commence aux alentours de 34 000 euros et on sera à 49 000 euros pour cette version SW GTE. Et avec toutes les options, le modèle présenté aujourd'hui s'affiche à 52 000 euros. Sur le côté, comme on peut le voir, une ligne très simple. Cette voiture, donc, c'est pas une toute neuve qui a été présentée en 2021. C'est juste le dernier modèle qu'il y a. J'ai voulu l'essayer puisque je trouve ça vraiment sympa, les Passat. Et tout le monde vante ses qualités de routière. Et je me suis dit, c'est le moment d'essayer. Donc, une ligne très simple. Les barres de toit ici, que je trouve très jolies, qui font un beau rappel donc, avec l'entourage chromé autour des vitres. Mais on a franchement une voiture simple, pas tape à l'œil. C'est d'un côté ce que j'aime bien avec cette voiture, c'est d'un côté peut-être ce qui lui manque. Voilà, après, je trouve que le style classique lui va bien. Sur l'avant de cette voiture, donc, on constatera qu'on est sur du full LED. Donc, on a ici le petit C de chaque côté qui est en LED. Ça, c'est les feux de jour. Ensuite, ici à l'intérieur, lorsqu'on met les veilleuses, on a deux petites LED, enfin deux petites barres LED qui s'allument autour des projecteurs LED. Et ensuite, donc, on a cette barre à cet endroit-là. Aujourd'hui, on a les phares Matrix LED qui permettent de nuit de détourer les véhicules et de rester en plein phare. Ça, c'est quand même vraiment super bien. Ça, dans les technologies qui sont apparues ces dernières années, je trouve que ça, c'est quand même un gros plus. Sinon, sur l'avant, quelque chose de très simple, hein, même au niveau du capot, quelque chose de vraiment simple.
c'est tout plat, il y a juste deux lignes sur les côtés. Ensuite, donc, on a la partie chromée qui part du bout du feu ici, qui fait tout le tour jusqu'à l'autre côté. Des lignes bien posées à plat à l'horizontale. Ça aussi, ça permet d'élargir un petit peu la voiture. Le gros logo Volkswagen ici qui intègre la caméra. Donc on a le pack des caméras 360 dans ce véhicule. Ça aussi, c'est bien pratique. Avec les capteurs ACC qui sont cachés là-dedans. Ça, c'est top de ne pas avoir un autre gros module noir ailleurs. Parce que sinon, c'est quand même moins joli. On a des entrées d'air de ce côté-là. Et donc de ce côté-là, comme je vous disais, on a la trappe ici qui s'ouvre pour brancher notre prise. Pas de recharge rapide. On n'a qu'une toute petite batterie. Ça n'aurait pas été utile. En dessous, donc, pareil, gris, bouclier, ici, avec la lame qui est en chromé, qui donne franchement une finition plutôt agréable à cette voiture. Le petit badge GTE, juste ici, pour vous rappeler que c'est une version hybride. Et on trouvera ici, au niveau du pare-brise, les caméras qui permettent d'avoir les aides à la conduite, donc le maintien dans la voie, le régulateur adaptatif, en gros, la conduite de niveau 2. Sur l'arrière de cette version SW, il y a une découpe quand même assez franche. Donc un tout petit béquet ici qui intègre le troisième feu stop. Une vitre assez droite. Des feux full LED également à l'arrière, donc avec des petites encoches comme ça. Donc une sorte de petite virgule séparée en deux avec un entourage qui fait le tour. C'est plutôt joli et quand on freine, eh bien c'est les LED du haut qui s'allument. Donc ça s'inverse, c'est plutôt sympa. Et on a aussi le clignotement à défilement. Ça, c'est agréable. Petite chose que j'aime bien. La caméra de recul à l'arrière est cachée derrière ça. Donc, lorsque je tourne ça, donc, ça m'ouvre le coffre. Mais quand je n'appuie pas dessus et que je passe la marche arrière, eh bien, ça ouvrira directement la caméra. Et ça aussi, ça a l'avantage que lorsqu'il pleut, eh bien, la caméra ne sera pas sale. En dessous, on a le logo GTE. Un arrière très simple, sinon le petit essuie-glace. On a pas d'échappement réel ici, c'est juste des enjoliveurs. Et pareil, des barres chromées qui font tout le long de la voiture. Mais pareil, sur l'arrière, rien d'extraordinaire, quelque chose de simple, un petit peu passe-partout. Alors, à l'arrière, au niveau du coffre, plusieurs choix pour l'ouvrir. Soit sur la clé, soit, comme je vous ai montré juste avant, j'appuie là-dessus, soit à l'intérieur dans la portière, soit je peux passer mon pied juste en dessous, j'ouvre, ouverture automatique. Et là, je tombe sur un coffre juste gigantesque. Donc là, il y a les 5 places actuellement. Regardez. Je peux aller m'y mettre. Et si je vais au fond, je vais vraiment tout au fond. On peut rentrer à 2, voire 3 personnes ici. C'est vraiment géant comme coffre. Regardez, si je me mets comme ça, jambes tendues, bien j'arrive là. J'ai les jambes tendues là. Je peux me mettre en longueur. Donc, vraiment pas mal de place. Ici, ça, pour cacher le coffre. J'ai des petites tirettes ici qui me permettent de rabattre les sièges, ce qui m'offrira un plancher plat. J'ai aussi ça, une option, qui me sort le crochet d'attelage juste ici. À l'intérieur, une petite prise 12 volts, des rangements sur les côtés, et encore du rangement juste ici, en dessous, avec pas mal de place, qui me permet de ranger mes câbles. Ça, c'est vraiment pratique. Il y a vraiment énormément d'espace dans ce coffre. Et ce qui est bien, c'est quand il est ouvert assez haut et j'ai de l'espace. Bon alors, à l'arrière, je rentre, regardez, très facilement, je viens m'asseoir, j'ai de l'espace pour tout mon corps qu'il rentre. Et regardez-moi ça quand je rentre dans cet intérieur. Alors, couleur blanc-gris, très joli, je le trouve juste sublime. C'est beau, c'est lumineux. C'est accueillant, c'est sublime, avec de l'alcantara et du cuir. C'est juste magnifique. Et regardez, hop, je me relève mon appui-tête, regardez, parce que je suis assis, le siège à l'avant est réglé pour moi, regardez l'espace que j'ai. C'est juste énorme. J'ai l'impression d'être dans une classe S presque. C'est juste ultra généreux. Niveau espace à l'arrière, c'est ultra confortable, les sièges Alcantara et cuir là sont juste magnifiques. Et tout de suite, je me sens bien avec cette option, toit panoramique et ouvrant. Franchement, c'est juste magnifique. Je me sens tellement bien, apaisé. Petite musique douce et ça fait du bien. Sur le côté, j'ai mon accoudoir ici avec la petite languette qui est bien pratique.
pareil, donc bien connu sur toutes les voitures du groupe, plutôt confortable, les deux gros porte-gobelets au milieu et la couloir sur la gauche. Franchement, ça donne envie de faire de la route ici. Profiter, regarder le ciel, c'est juste top. Les finitions sur les côtés, franchement, c'est rare, mais j'ai rarement à dire ça. Eh bien, je lui trouve pas grand-chose sur lequel on peut lui reprocher des choses. Plastique moussé là, moussé là. Là, c'est un peu dur. Là, c'est moussé sur la poignée, tout autour. Du cuir à l'intérieur, une belle finition ici. Un haut-parleur là, un plus bas. Le petit rideau ici. L'intérieur des vide-poches ici, là, sur les côtés. Des rangements. Une petite moquette à l'intérieur pour pas que ça fasse de bruit ou que ça vibre. Franchement, eh bien, c'est super bien fini. Ici, là, le tissu est top. L'éclairage LED. Franchement, c'est rare, hein, mais c'est super bien fini. Ça paraîtrait presque même un peu plus haut de gamme que ce que c'est. Petit vide-poche. Là aussi, les petites poches. La climatisation, trois zones. Donc, j'ai une zone ici. J'ai les deux sièges chauffants sur cette version. Franchement, eh ben, je suis hyper surpris. Parce que quand je suis monté à l'arrière la première fois, je me suis dit « Waouh !» Et je m'y attendais pas. Bon, on a un gros tunnel central ici, donc il faut enjamber. Et la place du milieu. Place du milieu. Donc, comme sur les côtés, ma tête ne touche nulle part. Donc moi, je fais 1m80. Bah, je suis franchement bien. Le dossier est très dur, par contre. Ça, c'est tous les dossiers, que ce soit chez Volkswagen, chez Seat, chez Audi. Ce sera le même à chaque fois. C'est vrai qu'il est toujours un petit peu dur. La banquette, par contre, au niveau des fesses, là, de l'assise, c'est assez ferme de ce côté-là, mais ça va. Et j'ai de la place pour mes pieds, et même les gens qui seront sur les côtés ont énormément de place. On peut faire un voyage à cet endroit-là sans souci. La ceinture pour la troisième personne sur la banquette, et on peut rabattre la banquette en deux tiers, un tiers. Comme je disais, soit d'ici, soit de là-bas, et plancher quasiment plat jusqu'au bout, et là, moi, je rentre sans problème. Je peux partir en camping avec. Je peux dormir ici. Je me pose un matelas. Pas besoin d'aller à l'hôtel. Je peux séparer donc en deux parties. Ici, hop. Donc, c'est même pas deux tiers, un tiers, ce que je disais. C'est siège de gauche, siège de droite et cette partie centrale ici. Fixation ISOFIX, bien sûr, sur les sièges qui sont bien camouflés avec des petites protections. Les ceintures qui sont sur les côtés des sièges. Donc, ce qui permet que lorsque je rabats la banquette, les ceintures ne se bloquent pas derrière, ça aussi, petit plus. Et franchement, c'est hyper agréable. Allez, on passe devant. À l'avant, pareil, je m'installe bien. J'ai cet accoudoir là, qui est réglable en hauteur, en longueur. Et moi, je trouve tout de suite bien ma position. J'ai les sièges électriques, j'ai les sièges massants. On peut avoir deux mémorisations. Donc, tous les réglages normaux. J'ai les réglages aussi pour derrière les cuisses, pour aller jusqu'à derrière les genoux. On ne l'a pas là, juste conducteur. J'ai un bon cale-pied à gauche. J'ai un volant qui me tombe bien en main, réglable. Hop, en profondeur, vraiment pas mal en profondeur en plus, en hauteur. Hop, ça me permet de vraiment bien trouver ma position. Et je suis bien, voilà, je suis bien installé. Alors, petit reproche que je pourrais faire, c'est que le toit ouvrant et le panoramique un petit peu loin pour en profiter d'ici, bah, pas tant que ça. J'aurais bien aimé qu'ils viennent un peu plus s'avancer. Ça aurait été top pour vraiment pouvoir en profiter en tant que conducteur. Si on regarde comme ça, on peut le voir. C'est surtout les passagers à l'arrière qui vont en profiter. On peut l'ouvrir également. Et ce qui est sympa, c'est qu'il s'ouvre vraiment en grand. Bon, je vais vous faire le point de vue côté conducteur juste ici pour vous montrer à quoi ça ressemble, cet intérieur qui est juste sublime. Alors, nous voici point de vue conducteur. Donc, on tombe sur ce volant qui est top. Le petit rappel GTE avec du bleu, comme on a quelques touches autour de la voiture avec ces petits rappels bleus. Ici, cuir perforé pour avoir une bonne prise en main. Donc, la jambe de volant est assez grande. Du cuir simple ici. Les réglages audio ici. Les réglages pour tout ce qui est régulateur adaptatif. Le maintien dans les voies, juste ici. Sur la droite, les réglages pour avoir l'instrumentation au fond. Donc là-bas, je peux changer de vue. Donc j'ai trois types de vues. Comme ça, là, les compteurs
ici, quand je suis dans ce menu-là, non, pas celui-ci, celui-ci, je peux changer, avoir par exemple les aides à la conduite, je peux avoir la navigation, je peux l'avoir en très grand qui occupe tout l'écran, je peux avoir mes médias et statut de véhicule. Moi, celui que je préfère, c'est celui-ci avec les compteurs. Donc là, j'ai déjà fait 121 km, il me reste toujours le plein, la jauge n'a pas bougé. On a donc le compte tour, on a donc ici l'indication de vitesse. Et regardez, lorsque je vous démarre la voiture, hop, on a une jauge ici qui apparaît pour la version électrique. Donc lorsque ça descend, c'est la version charge, donc la récupération d'énergie. Et le bleu, c'est le power, juste ici. On a une voiture qui monte jusqu'à un peu plus de 6000 tours avec ce petit moteur 1,4 litre. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est le niveau de batterie restant. Et à droite, c'est le niveau d'essence restant. Le niveau de batterie, je peux le voir là, mais je peux aussi le voir sur cet écran, par exemple, avec depuis le départ. Là, il me dit, il me reste 15 km d'autonomie avec trois petites barres de cette façon. Sur le côté, les portes, pareil comme à l'arrière, c'est super quali, moussé ici, une belle finition ici, regardez, c'est joli, moussé là, c'est agréable au toucher, du cuir, moussé ici, les réglages fenêtres rétroviseur. On a trois enceintes dans la porte, une ici, une ici, une ici. La sono est franchement très bonne dans cette voiture. Ici, on a la trappe à essence et l'ouverture du coffre électrique. L'intérieur, ici, pareil, on peut ranger pas mal de choses, une grande bouteille d'eau, et toujours avec la petite moquette intérieure, pour pas que ça fasse de bruit quand on met des choses dedans. Ce que j'aime beaucoup, toujours, c'est cette petite trappe. Ici, on peut ranger des petites choses top secrètes. Hop, les lumières, donc on a bien sûr les feux automatiques. Au-dessus, donc, on remonte, on a un aérateur. Ensuite, la planche de bord, donc pareil, tout en moussé. Franchement, très agréable. Jusqu'au bout, un petit rappel Passat ici. Alors, je trouve ça assez spécial. J'avoue que je ne suis pas super fan de ça qui est marqué Passat. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien. Des lignes, pareil, sur toute la longueur qui donne ce côté qui allonge la voiture et la porte entière vue de ce côté-là. On a un rétro borderless juste sublime. S'il vous plaît, faites tout ça les constructeurs, c'est tellement beau. Ensuite, tous les réglages donc pour les lumières. Ici, pour le toit ouvrant, donc regardez, je vous l'ouvre tout de suite. Regardez à quel point il s'ouvre en grand. Et c'est super rare que ça s'ouvre aussi grand un toit panoramique. La vue sur l'arrière. Ensuite, on revient là. Donc, deuxième écran ici, tactile celui-ci. On a un menu. Franchement, c'est plutôt réactif. On a ici sur cette page d'accueil des widgets, on a des raccourcis, on peut revenir, on peut avoir les indications du trajet. Le 9 litres 100, c'est parce que j'ai essayé les 0 à 100, j'ai mis la voiture à charger constamment également pour pouvoir recharger de la batterie pour arriver à 15 km plutôt que de le charger sur la prise. Donc ne faites pas ça chez vous, faites ça chez vous plutôt pour recharger la voiture. Il ne faut pas l'utiliser en version recharge en ville, parce que sinon ça va vous donner ce genre de statistiques, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Regardez, sinon depuis le ravitaillement, alors sur les 118 km que j'ai fait avant, 5,3 litres de moyenne, en ayant rechargé bien sûr la batterie en roulant. Donc là, on a plusieurs touches, on peut personnaliser quelques petites choses. En dessous, on a tout le bloc clim. Donc pareil, tout est sensitif, je peux mettre mes sièges chauffants sur trois positions, tout comme le passager, le dégivrage, etc. Régler là où je souhaite avoir de l'air. Cette fois-ci, top, là c'est éclairé, pas comme certains autres modèles du groupe Volkswagen, où c'est pas éclairé, donc je vois où est le bleu, où est le rouge. Ensuite, c'est pareil, cette partie sensitive, je peux éteindre juste ici. Ensuite, on a chargeur à induction ici pour le téléphone. Le sélecteur de rapport ici avec plein d'options tout autour. Donc, sélecteur de rapport, on a parking, reculer, neutre, drive et B. B, vous commencez à connaître. Si vous êtes un petit peu adepte des voitures hybrides électriques, le mode B, c'est pour la récupération d'énergie lorsqu'on va relâcher la pédale. Start engine ici, donc pour démarrer le moteur et couper. Le GTE,
Ça, c'est pour vous donner toute la puissance maximum. Donc, c'est un peu comme un mode GTI, par exemple. Sauf que là, ça vous donne toute la puissance cumulée moteur thermique plus moteur électrique. Les modes, ça nous fait choisir les modes qu'on veut. Donc, on a éco, on a confort, on a normal, sport et individuel. Dans les individuels, on peut paramétrer pas mal de choses. Le DCC, DCC, c'est la suspension. Donc, de vraiment confortable à sportif. Et la voiture est très confortable. Et alors, je retourne dans mode adapté. Et on peut régler la direction. Pareil, si on veut que la direction soit plus ou moins souple, là, par exemple, elle est très, très souple. Et on peut la rendre sportive également. L'ACC, les assistants d'éclairage, etc. Donc, on peut tout personnaliser. Ensuite, on a le e-mode, ça c'est pour activer la version 100% électrique de la voiture. Donc quand on roule et qu'on a de la batterie, si on veut rouler en 100% électrique, e-mode ici. Ça, c'est les bip-bip des radars de parking et des avertissements. Ça, c'est pour le parking automatique. Je vous montre dans la vidéo comment elle se débrouille. Et ça, c'est les caméras. Donc je peux activer juste ici les caméras à 360 degrés de la voiture. Hop, et je peux recouper comme ça. Ensuite, donc frein de parking électrique, le auto hold qui permet, lorsque vous êtes arrêté à un feu, de relâcher la pédale de frein et la voiture reste stationnée. Un petit rangement avec petit caoutchouc au fond pour pas que ça fasse de bruit. Ils ont pensé à tout partout. Petite prise 12 volts. Rangement à cet endroit-là, deux portes gobelets, pareil, toujours avec le fond en caoutchouc pour pas que ça fasse de bruit. Et ici, un rangement avec une deuxième prise USB-C et un rangement pas excessivement profond, on pourra ranger pas mal de choses. La boîte à gants à cet endroit-là, qui est réfrigérée sur cette version, on peut régler ici la température. On pourra mettre une grande bouteille d'eau ici, mais pas grand-chose d'autre. Et je vous montre les sièges qui sont pareil comme à l'arrière, juste sublime. Donc ça, c'est réglé l'appui-tête. On peut le régler de cette façon, en hauteur également. Donc plutôt moelleux, mais sur pas beaucoup. C'est pas les plus moelleux que j'ai connus. Du cuir, de l'alcantara ici, avec les surpiqûres. Franchement, je trouve cet intérieur juste sublime. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ce blanc. Enfin, cette couleur est juste magnifique. Et pareil, donc l'assise ici, ce qui permet de ne pas glisser aussi et de pas avoir trop froid. Bon, bah, je crois qu'il est venu l'heure d'aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, on va commencer cet essai en ville et comme d'habitude, donc essai complet, ville, nationale, autoroute, toutes les conditions possibles. Bon, donc on appuie sur le frein, on appuie sur le bouton Start Engine. Et voilà, j'ai le qui me dit que la voiture est démarrée parce que sans ça, je ne saurais même pas que la voiture est démarrée. Donc c'est la GTE, version hybride. Donc on a un moteur thermique et un moteur électrique. Grâce au mode électrique, on peut faire déjà une bonne cinquantaine de kilomètres dans les conditions optimales. Là, il fait 15 degrés. J'utilise très peu la clim, pas de chauffage. Quasiment pas en tout cas. Comme il fait soleil, ça réchauffe l'atmosphère dans la voiture. Donc pas forcément besoin d'utiliser la clim. Sinon, j'ai quand même le volant chauffant. J'ai les sièges chauffants dans la voiture, ce qui est aussi une très bonne chose. Donc, lorsque vous démarrez, la voiture, elle va démarrer dans le mode normal. Donc, par exemple, là, je suis en mode confort. En e-mode, je peux sélectionner le mode GTE qui, là, lui, va m'apporter le maximum de puissance possible. Ou je peux me mettre en mode hybride en désactivant le e-mode. Donc, lorsque j'appuie, j'ai e-mode et hybride. Lorsque je touche hybride, c'est la voiture qui va gérer, donc de faire en sorte d'abord d'utiliser l'électrique, puis ensuite d'utiliser le moteur thermique, puis ensuite fonctionner vraiment comme une hybride simple qui va recharger à chaque freinage la batterie pour pouvoir consommer le moins possible. Là actuellement, donc je suis sorti de Paris, j'ai fait 31 km. Oups, c'était là. Véhicule, j'ai fait 3 litres au 100 en faisant quelques accélérations, en testant un petit peu le mode GTE et autres. 3 litres au 100 de moyenne, c'est quand même vraiment sympa. Et encore, on peut vraiment être à 0 litre 100. Si par exemple, on fait des allers-retours au boulot, on est à 30 km par jour, tous les soirs on recharge, on peut vraiment être à 0 litre 100 si on recharge tout le temps. Bon allez, c'est parti, pied sur le frein. Donc on a deux modes, le mode D et le mode B.
pourra passer en mode B pour tirer une fois supplémentaire et ça passe en mode B. Le mode B, c'est le mode break. C'est parti. Donc, on a une direction plutôt agréable. Donc là, je suis en mode confort. Elle est assez douce. Et surtout, la voiture est très confortable et silence complet lorsqu'on roule avec cette voiture. En tout cas, en mode électrique, c'est franchement tout ce que j'adore. Hein. Ce genre de voiture, en plus, elle est super bien insonorisée. Donc, quand je suis en mode B, quand je relâche la pédale, donc par exemple, là, j'accélère un peu, ça m'a redémarré le moteur parce que je suis en mode hybride. Et quand je relâche, le mode B régénère de l'énergie avec les moteurs électriques. Et ensuite, on va se mettre en e-mode. Donc là, comme le moteur a démarré, on ne peut pas l'arrêter tout de suite. Ça permet de le préchauffer. Ça, c'est une bonne chose aussi. On se dit souvent, bah, avec les voitures thermiques, là, le moteur il peut être froid ou autre. Donc, lorsque vous le démarrez, il va prendre un petit temps, le temps de se démarrer et de se préchauffer. Et ensuite, on pourra repasser en mode full électrique. Donc, même avec le moteur démarré, c'est franchement bien agréable. Et aussi, on a une sorte de très gros start and stop avec cette voiture. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on va freiner, la voiture va récupérer une petite charge d'énergie, même quand il n'y a plus de batterie, elle va la garder pour vous aider à redémarrer et relancer jusqu'à une certaine vitesse. On a une jauge bleue, donc par exemple là, hop, j'arrive à la jauge bleue et hop, elle me redémarre le moteur. Ça, ça permet aussi de faire des économies d'énergie puisque c'est souvent la relance qui prend le plus d'essence. Donc là, je relance gentiment et là, normalement, je dois pouvoir repasser en mode E. Et là, je suis repassé en mode 100% électrique. Donc le mode 100% électrique a vraiment l'avantage, c'est qu'on a zéro bruit moteur. Même si lorsqu'on a le moteur thermique d'activer, on entend vraiment très très peu. Il faut vraiment se dire, ah, est-ce que le moteur fait du bruit? Sinon, si on n'y pense pas, on n'entendra absolument rien. J'ai aussi toutes mes aides à la conduite. J'ai mon travel assist. Mon travel assist qui, dans les bouchons comme ça, est mon meilleur ami. Je m'occupe plus de conduire. C'est la voiture qui va gérer pour moi d'accélérer, de freiner, etc. Selon le timing qu'il va y avoir avec la phase d'arrêt, ce sera peut-être à vous de rappuyer sur le bouton RES ici. Donc pour resume, ça veut dire retourner là où on était avant. Ou sinon, une petite lichette sur l'accélérateur et la voiture va repartir jusqu'à l'arrêt en suivant le véhicule de devant. Sinon, dans la voiture, comme vous pouvez le voir, enfin, moi je suis vraiment bien installé. Là, je me suis mis dans une position confortable, optimale. J'ai mon accoudoir ici qui est top, que je peux bien remonter, alors qu'il peut partir de tout en bas jusqu'à là. Je peux vraiment bien poser mes coudes en ayant les mains sur le volant. Ça, c'est top si on fait beaucoup de route. Et ça, c'est une voiture faite pour faire de la route concrètement. Et je suis vraiment bien. J'ai les sièges qui sont réglables vraiment dans toutes les positions. J'ai les sièges massants, ils sont chauffants. J'ai le volant chauffant également. Franchement, que demander de plus? Donc là, par exemple, j'ai juste accéléré. Elle suit la voiture de devant. Moi, je touche à rien. Et elle se réarrête. Ça, c'est vraiment top. Et l'avantage, c'est qu'on a tout ça dans le confort. Et là, on a un mode full électrique, pas un bruit, aucune vibration. C'est franchement super bien. Là-haut, donc, on peut fermer soit avec le grand store qui vient de tout au bout. Ça met du temps parce que la zone est quand même énorme. Et qu'est-ce que c'est agréable. Et j'aime bien aussi puisque ça laisse, avec un petit peu de transparence, montrer qu'il y a un toit ouvrant. Je trouve ça sympa plutôt que d'occulter totalement. Et sinon, donc, je peux le réouvrir. Et on a aussi donc le toit ouvrant et panoramique. Donc hop, si je veux ouvrir de cette façon. Alors c'est dingue à quel point, franchement, quand on ouvre, on entend tout ce qui se passe dehors et la voiture est super bien insonorisée et on peut avoir des vitres insonorisantes un peu plus et des vitres feuilletées. Donc ça, ça joue aussi sur le confort au quotidien. Ce qui est top, c'est qu'il s'ouvre quand même assez grand ici. C'est assez rare que les toits panoramiques s'ouvrent aussi grand. Et ensuite, on peut profiter du soleil comme ça directement. Ou le refermer. En ville, dans les petites zones 30, le mode électrique,
c'est quand même vraiment super. Et l'électrique, ça relance franchement bien, comme une voiture normale. Concrètement, juste rouler en mode électrique, ça suffit pour tous les jours. On n'a pas besoin d'enclencher le moteur thermique en plus. Et pour dans les petites rues comme ça, je trouve que la suspension filtre quand même bien les défauts. Donc en passant sur les plaques d'égout et autres, c'est vraiment une voiture agréable à conduire. Bon, et par exemple pour relancer, ben voilà, je suis déjà à 50. Ça va franchement vite. Hein. Je trouve que c'est super efficace. Pour moi, ça reste encore le meilleur compromis d'avoir vraiment le mode hybride. L'électrique, c'est top de chez top. Seul problème, c'est le rechargement. Le mode hybride, c'est vraiment l'idéal. Pareil, on peut avoir ce souci de rechargement si on n'a pas forcément de prise à domicile ou autre. On peut recharger en roulant, mais ça, c'est pas forcément l'idéal. Donc ça, je vais vous le montrer aussi. Donc, par exemple, là, hop, juste le mode électrique. Comme je vous dis, ça relance quand même franchement bien. Si je veux recharger en roulant, donc j'appuie sur mon e-mode ici et ça m'affiche donc l'écran mode d'entraînement. Je peux mettre hybride et à gauche, j'ai les petits trous, les petits engrenages qui vont me dire le niveau de batterie que je veux. Je peux dire à la voiture, je veux que tu remontes à 100%. Et là, la voiture va utiliser le mode thermique pour pouvoir recharger les batteries. Donc ça veut dire que lorsque je vais rouler, il y a le moteur active, le petit moteur qui régénère de l'énergie également. Donc ça va mettre en contrainte les moteurs électriques et ça va utiliser le moteur thermique, sa force, pour pouvoir rouler. Ça consomme par contre ça beaucoup plus d'énergie. On va être à 30 voire 40% de consommation supplémentaire sur le moteur essence. Donc ça, c'est vraiment utilisé en cas de dernier recours ou sur l'autoroute. Par exemple, si vous voulez vraiment recharger un petit peu pour lorsque vous allez arriver en ville. Mais l'idéal, ça reste franchement d'utiliser la prise à la maison ou sur une borne pour pouvoir recharger ce véhicule. Là par contre, voilà, j'ai le moteur thermique qui roule et pareil avec le mode B, je récupère encore plus d'énergie lorsque je vais relâcher. Et l'avantage avec ces voitures, c'est ça, c'est j'ai juste à avoir relâché la pédale accélérateur et ça me fait un très gros frein moteur. Et en anticipant bien, eh bien je vais quasiment jamais utiliser mes freins, juste sur la fin. Et ça permet aussi d'économiser ses plaquettes et ses disques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces hybrides rechargeables, on peut même aller sur l'autoroute en full électrique, rouler à 130 km/h en full électrique. Et c'est ce qu'on va aller essayer juste après. Ah oui, pendant qu'on est en ville, un truc que j'aime bien, c'est le stationnement automatique. Donc, j'appuie sur le petit bouton ici, parking automatique, et la voiture va, elle, me trouver une place lorsque je mets mon clignotant. Donc là, elle m'a trouvé une place. Je passe la marche arrière, caméra 360 que j'ai sur cette voiture et surtout le park assist. Qu'est-ce que c'est bien comme truc, regardez. Je peux faire ce que je veux, je peux vous regarder. Bon, il faut quand même regarder l'écran et autour de soi, mais je gère juste la pédale. Hop. La voiture, donc, vous avez les radars de recul. Qui bip pas mal. Vous passez la marche avant, vous réaccélérez un petit peu. Hop. La marche arrière. Pour bien vous mettre dans la place, ça a sonné. Parking, c'est bon, je suis garé. J'adore ça. Alors ça met un petit peu plus de temps que si vous êtes super expérimenté, mais grâce à ça, normalement, la voiture se trompe très rarement et elle fait ça assez bien. Et c'est bien aussi pour les jantes, parce qu'elle reconnaît bien les trottoirs. Et franchement, dans la majorité des cas, la voiture se débrouille mieux que moi. Bon allez, c'est reparti. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que la caméra est cachée sous le logo Volkswagen. Donc, ça permet de ne pas voir une caméra qui soit disgracieuse juste au-dessus de la plaque d'immatriculation. Ça, c'est un gros plus. Bravo Volkswagen. Parce que concrètement, c'est pas très dur à faire. Et au moins, c'est vraiment plus joli de la cacher. Sinon, sur les petits parkings, même si on a une voiture très grande, eh bien, elle est facile à manœuvrer. On la prend assez rapidement en main. Pourtant, c'est une voiture assez longue. Alors, il y a des gens, je ne sais pas pourquoi ils restent là, comme ça. Au milieu de la route. Regardez,
est en mode électrique. Ça relance franchement super bien. Et ce qui est difficile avec l'électrique, c'est que comme il n'y a pas énormément de bruit ou autre, eh bien quand ça relance, on ne sent pas forcément tout de suite la vitesse. Et des fois, on regarde le compteur, on se dit « Ah oui, quand même !» Allez, on va essayer dans un rond-point ici, voir ce que ça donne par rapport au comportement dynamique. Donc, on a une voiture qui est bien. Elle prend pas du tout de roulis, ça c'est top. La suspension reste ferme et en même temps, c'est confortable. Donc même sur le changement d'angle, on a un châssis très vif. Ça c'est top. Et même au freinage, même si je freine fort, mais la voiture ne s'affaisse pas sur ses suspensions. On a une voiture qui reste à plat. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Allez, on va aller s'insérer. Sur une nationale, on va partir tranquillement, donc toujours en mode full électrique. Et là, c'est parti. Allez, pied plancher, sans aller au kickdown, sinon ça redémarre le moteur. Hop, là, donc on est en montée. Et ça y est, je suis à 90. Allez, je me remets toutes mes aides à la conduite. Je me règle sur 90. Je vais même fermer les yeux. Je lui fais confiance. Donc, maintien dans les lignes avec le centrage de voie, régulateur adaptatif, il y a tout ce qu'il faut pour être vraiment confortablement installé et se faire conduire et faire de la route. Donc là, je suis à 90 km/h en mode électrique, absolument aucun bruit de moteur, très peu de bruit du vent autour de l'habitacle. J'ai un petit peu de bruit qui vient du haut là-haut, mais ça c'est normal vu la taille du toit panoramique. Le bip, c'est parce que je touchais pas assez le volant. Hop. Et franchement, c'est super bien. C'est bien sonorisé. J'entends quasiment pas ce qui se passe autour de moi. Le camion, quand je l'ai doublé, j'avais même pas l'impression d'avoir doublé un camion. Pas de bruit de roulement. Et si je passe en mode hybride ici, par exemple, avec le moteur qui redémarre, à 90, je suis en 6ème vitesse, à 1800 tours minute. J'entends qu'il y a la présence d'un moteur, mais c'est vraiment pas gênant du tout. Et ça reste toujours confortable. Et comme je dis, on est vraiment bien installé. Je me fais conduire, j'ai juste à laisser ma main sur le volant. J'ai toutes mes aides à la conduite. Top à 90. On va voir maintenant à 110 et à 130 ce que ça donne. Donc on a plusieurs modes ici, donc on a éco, confort, normal, sport et individuel. Dans le individuel, vous paramétrez tout comme vous voulez pour avoir par exemple le moteur en mode confort et la direction en mode sport. Ça c'est top lorsqu'on veut vraiment avoir une voiture comme on la souhaite. Et on va voir, donc là je me suis mis sur le mode sport, hop, voir ce que ça donne. Donc par exemple en virage, hop, ça relance bien. On a quand même plus de 200 chevaux, hein, ce qui est bien pour une voiture. Hop, et en virage, donc sur un rond-point assez serré. Franchement, très bonne tenue de route. On a un poil de sous-virage, ce qui est normal pour ce genre de voiture. Hop, et franchement, elle tient bien la route. Elle s'affaisse pas. Dans les sièges, je suis bien maintenu. Franchement, c'est quand même très très bien. Et pour relancer au kickdown, ça relance efficacement. Pareil, alors c'est pas ultra sportif, mais ça relance de façon, je sais pas comment vous dire, mais c'est bien, ça accélère assez fort, sans être trop, sans être pas assez. C'est exactement ce qu'il faut. Voilà, 218 chevaux, c'est bien, je trouve. Niveau autonomie, cette voiture, vous pourrez faire, alors selon si vous rechargez ou pas, à l'infini quasiment, hein, avec le plein d'essence. Sinon, on sera à plus de 700 km facilement. Et chez Volkswagen, on m'annonçait plus de 1000 km en se mettant vraiment en mode hybride et en faisant, si par exemple on fait du 90-110, plus de 1000 km. Ce qui est quand même assez impressionnant. Au niveau du freinage, on a un freinage puissant, une pédale bien progressive. Et donc là, par exemple, j'y vais assez vite, hein. La voiture tient super bien la route. Je m'en suis agréablement surpris de la tenue de route, parce que ça reste quand même une grande voiture et une assez longue voiture,
J'avais conduit les anciennes Passat, les toutes premières. Et là, franchement, ça reste une très très bonne voiture. Donc là, on arrive à 110. Alors, là, j'ai le moteur thermique de démarrer. Je me mets à 110. Hop. Donc à 110 km/h, je suis en 6e. Donc je peux passer avec les palettes les vitesses. Ou sinon, je peux laisser en mode drive ou en mode B. Hop. À 110 km/h, je suis pile poil à 2000 tours minute en 6e rapport. Mon travel assist d'activer. Commence à avoir légèrement du bruit du vent au niveau des rétros, hein. Mais sinon ça reste pareil, toujours confortable. Et là je suis avec le moteur thermique. Je vais passer en e-mode. E-mode. Et là, full électrique à 110 km/h. Donc la toute petite présence du bruit moteur a disparu. Là j'ai absolument plus aucun bruit de moteur. Il n'y a aucun bruit de roulement, à part quand je passe sur des rainures. Juste, comme je disais, un très léger bruit du vent. Franchement, que demander de plus? Je suis vraiment au top. Ça me donne vraiment juste qu'une seule envie, c'est de partir en vacances avec cette voiture et traverser la France, en fait. Et qu'est-ce que je suis content, enfin, dans cette... toujours en électrique. Donc là, je suis à 130 km/h. Légèrement du bruit du vent sur les côtés. Sinon, rien à lui dire à part ça. Une sorte de toute petite résonance qui vient du toit, mais c'est très 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 léger. Mais qu'est-ce que c'est confortable. Je m'attendais pas à ce que soit si bien une Passat, en fait. C'est une bonne surprise. Beaucoup de gens disaient oui, la Passat, la Volkswagen, c'est top, c'est pour faire de la route et autres. Je m'attendais pas aussi bien. Et franchement, j'ai qu'une seule envie. C'est franchement de partir en week-end avec ce week-end. Et ça se trouve, je pense que je vais me faire une escapade de dernière minute, ce que je n'avais pas prévu, juste pour rouler et profiter de cette voiture. Et on me demande aussi de temps en temps par rapport à l'audio. Donc là, l'audio, on a juste l'audio de base. Pas de Harman Kardon, pas de Bose ou autre. Et bien le son est très très bon avec la radio DAB. De bonne qualité. Il y a des voitures, des fois, c'est pas top. Là, on a quand même quelque chose de très bon sur la sonorisation sans prendre une option, par exemple Bose, Harman Kardon, Burmeister ou autre. Franchement, celle d'origine se débrouille vraiment très bien. Par rapport à l'autonomie en électrique, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites de l'autoroute, vous allez faire moins des 50 km annoncés. Par contre, si vous faites de la ville, franchement, dans les bonnes conditions, il est quand même assez facile de s'approcher de la cinquantaine de kilomètres. Par contre, sur autoroute, oui, effectivement, ça va s'user un petit peu plus vite, la batterie, c'est normal, ça consomme plus, la voiture, tire plus la résistance au vent et autres. Ça va faire plus aux alentours des 30 km dans les bonnes conditions. Et par contre, ce qui est top, c'est que même le mode hybride, régénère franchement très bien. Et c'est agréable au quotidien, même de rouler juste avec le mode hybride, si on n'utilise pas forcément le mode électrique. Mais c'est dommage de ne pas utiliser le mode électrique, puisque le but, c'est ça avec la GTE, c'est de recharger à la maison tous les soirs et de se dire qu'on veut utiliser au maximum l'électricité sur cette voiture. Sinon, il y a des voitures juste hybrides. Mais ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est que là, on a le 2 en 1. Bon alors, après avoir essayé cette voiture sur tout type de route, petite route, autoroute, nationale, départementale, à 130, à plus de 130, à moins de 130, la suspension qui s'adapte, super confortable. Franchement, si vous pouvez prendre cette option, prenez-la. Ça rend la voiture d'un confort vraiment exceptionnel. Je ne m'attendais pas à ce que cette voiture soit si bien que ça. C'est une voiture qui n'est pas toute récente, mais il s'en est vendu tellement. Et je comprends vraiment maintenant pourquoi il s'en est vendu tellement. C'est pratique. Il y a énormément de place à l'arrière. Dans le coffre, il y a énormément de place pour les passagers. Franchement, si on est 4 grands adultes, on sera très très bien, même pour partir en vacances, traverser la France ou autre. L'intérieur, c'est simple, efficace. Alors, c'est pas des plus modernes. Comme la voiture, c'est pas des plus modernes, mais c'est discret, efficace.
on ne lui en demande pas plus. Peut-être que la version qui sortira l'année prochaine ou dans quelques années sera peut-être un peu plus moderne, un petit peu avec les nouvelles touches Volkswagen. Mais celle-là, elle n'est pas tape à l'œil. Elle a tout ce qu'il lui faut, elle a toutes les aides à la conduite qui vont bien. Pour moi, en 2021, elle n'est pas ridicule, juste à part peut-être le design. Mais sinon, c'est franchement top comme automobile. Et en plus, dans cette version GTE, c'est franchement l'idéal pour moi, le meilleur compromis. On a une voiture qui consomme très peu. On a une voiture qui, on va dire, qui est propre, puisque c'est une voiture électrique, qui peut rouler en 100% électrique, qui a une autonomie vraiment correcte, qui en plus, à l'utilisation, sera vraiment confortable, qui est discrète. Le moteur, le petit 1,4 litre, on ne l'entend quasiment pas. C'est très bien insonorisé sur tout type de route. Franchement, j'ai pas vraiment de grosses critiques à lui faire. La tenue de route est bonne, le freinage est bon. Alors c'est assez spécial des fois peut-être avec la récupération d'énergie, mais sinon, niveau accélération, 218 chevaux, c'est largement suffisant pour toutes les situations. Le mode électrique, soit vous rechargez à la maison, tous les matins vous allez au boulot, vous consommez zéro si vous avez moins de 50 km dans la journée à faire. Franchement, que demander de plus ? Si vous avez des questions ou si vous avez même des petits commentaires à faire, n'hésitez pas. Si vous avez bien aimé cette vidéo, un petit pouce bleu comme ça, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas, hein, aux commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao !